Là, ça fait pas un truc bizarre. Commence comme ça, là. T'as le son bien, là? Ouais, moi, tout est au carré juste. Prends la barre, mais pas poste, t'inquiète pas. Ah, d'accord. Pour ceux qui ne comprennent pas, du coup, le RP qu'on fait actuellement et tout. Je l'ai déjà fait, mais il y a longtemps. Je sais pas si je l'ai déjà fait ou je l'avais déjà vu. Je sais plus. Putain, mais j'aurais dû vous laisser lire en fait. En gros, comme ce que Delwen fait avec nous là, chaque choix influe la suite de l'histoire. Ouais, je sais qu'il est fort le son. Ouais, l'effet papillon, ouais. Vous avez changé le titre ou pas, les gars? Non, Mani, il joue pas, c'est un jeu solo. C'est légèrement cruel. Oh, ça va. Elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Oh. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Hey, M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. C'est-à-dire que là, ils vont le ressortir. Hein. Ouais. Mike ? C'est Anna. Je vais nous mettre dans le noir. Salut Anna. Attends, je vais éteindre. Non, j'ai pas fait, je crois. Eh, vous avez vu ça ? C'est impossible que je l'ai fait parce que Nico sur console. Ce week-end. Nico. Je sais pas. C'est le pire. T'es trop sexy avec ce haut, mais je parie que tu l'es encore plus sans. Viens dans la chambre d'amis à 2h, Mike. Oh putain. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. Eh, bon. Du sexe, du zizi, hein. Faut qu'on intervienne. Le zizi, hein. Non, bah... Ça a bien mangé, hein. C'est bizarre, on aurait vraiment pas parlé. C'est vrai que si oui. Jamais il y aurait eu les gonzesses. Il y a des choses qu'on n'aurait pas calme. Forcément dit. On serait tout calme, moi j'aurais pas parlé du tout, moi. Jérémia Cry. T'es bien en train de rentrer là. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à... Tu sais, s'ploter et voir où ça nous mène. Oh, ouais. Wesh. C'est la régalouse, oh, quoi. Putain. Elle enlève son haut. Quoi? Oh, putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Anna! Désolé, Anna, c'est parti en vrille, mais. C'est des fils de pute en vrai, c'est pas bien, voilà. Oh, merde. Vous êtes il filme avec sa GoPro là. Vous le savez? Anna! C'est vraiment pas bien de faire des trucs comme ça. C'est un truc de flag de faire ça. Ah oui.
Il y a quelqu'un dehors. Je me dis là que nous... En RP, nos choix c'est pareil. Si on fait de la merde, on peut prendre Anna des non-RP. Ouais. C'est quoi projet. Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon. Elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna. Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sales cons. Bah, écoute, de Joss, c'est Naas. C'est de Naas. Anna! Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde! Mais Bendal, hein. Ah, rapide, ma gueule. C'est bon, là. Attends, mais je devrais te demander laquelle tu mets. Ah, c'est vrai, putain. C'est que moi, la première fois que je joue à ce jeu, j'ai tué tout le monde, hein, sauf une seule personne. Donc bon. Merde! Oh putain! Putain, Anna! Mais t'es où? En fait, y a pas de spoil parce que si vous dirigez le vaisseau lumineux à l'aide du désir. En fait, ouais, j'ai spoil personne. Oui, c'est pas du spoil en fait parce que le jeu est différent pour tout le monde. Il y a combien de fins? Il y a 256 fins possibles. Il y a 256 fins possibles. C'est pas du spoil en fait. Fils de pute. Tu peux finir le jeu avec 4 survivants comme avec 0, comme avec 3, comme avec 8, comme en fonction des choix que tu fais quoi. Des films et la sabbat. Ah non, c'est vrai, c'est ah, ça va me dire un truc, non? Bah oui, ça c'est le système de mort. C'est un prank là. Ah, tu l'as entendu? Ah, oui. Ah bah tant mieux, t'entends les alertes aussi, comme ça je suis pas tout seul à entendre des alertes de con. Une pizza qui arrive là. Ah, t'es vrai, on va attendre. Ah ouais, là. Je sais pas, il y a un lanceur de feu là. Il y a un pédo là. Anna. Oui. Anna. Oh bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Et là, quand ils vont refaire la version 2024, graphisme et tout, je pense que ça va être incroyable. Attends, mais c'était moi-même que j'ai vu tomber d'un rocher là, non? Oui. Vas-y, lève-toi. Vrai soeur, hein, moi j'aurais cours. Sors, ma soeur. Pas de télé, non. Chope pas, ma gueule. Jamais il y a un choix, je peux pas. Les choix là, télé, t'inquiète. Elle est con ou quoi? Oh oh. Tiens bon! Tiens bon! T'as pas l'œil? On va faire, on a du temps, si vous le savez. Je suis désolée. Attends, mais. C'était quoi le bon choix à faire là? Y'en avait pas. Ah, mais oui, mais je sais, ça c'est l'intro, du coup t'es obligé de canner en fait. Ouais.
C'est l'intro, donc elles sont obligées de crever les deux. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Et là, on a Winston, les gars. Exactement. C'est lui. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. J'ai envie de le mettre, j'ai envie de mettre le jeu en anglais, mais... Toutes vos décisions ouvrent des portes sur la vie. Fais ce que tu veux. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Écoutez, écoutez ce qu'il dit, c'est important. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et oui, c'est ça, Nakreb. Il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Audio-image. Mais en anglais, hein, s'il faut. Ouais, je vais mettre en anglais. En fait, ça me dérange trop, je vois sa bouche parler, mais... Oui, c'est décalé de fou. Que je vois en anglais. Je crois que c'est dans le dialogue originaux. Hein. Tu mets dialogue originaux et sous-titres. Je suis sûr, ça va être mieux. Je vous lis les sous-titres, au pire, je suis le narrateur. Voilà. Bah. Il a dit quoi? Faut voir quoi? Qu'est-ce que ça t'inspire, quoi? Quel est vos ressentis face à cette image? Remember, be honest. Bah là, tu penses quoi toi? Bah c'est pour moi aucun des deux, mais à choisir c'est plus du malaise que de la joie. Par rapport à l'épouvantail. Bah là, c'est beau, bizarre, il fait beau, de... c'est un champ, il y a une ferme. Une ferme. Enfin, moi j'aime bien moi. Bah voilà, mais moi je serais un peu bizarre. In what way did it make you happy? So which word would best be? Qu'est-ce qui t'arrive? Moi j'ai réfléchi. Ah bah il parle plus. Là, je sais pas du coup. Mais t'as enlevé les dialogues. Ah bon? Je crois. Oh putain, bah du coup je sais pas. Alors gros... Je pense... Ah oui, il parlait de l'épouvantail. La peur, ça fait grave. La peur, vraiment? Ah mais non, ok. Ah, c'est intéressant. Dans mon pays, au nord, en Suède, les nuits durent 18 heures. Encore ça fait sa vie, alors, il parlait de la nuit. Pour quelle raison auriez-vous peur? La nuit noir. Oui, peur du noir, en mode. Ah merde. Comme tout le monde, je ne sais pas. Eh bien... C'est une peur tout à fait légitime. Le noir, après tout, c'est ce qu'on ne voit pas. Et donc, l'inconnu. Il n'y a pas de peur plus grande que la peur qui naît de l'incertitude. On parle de la lumière, les gars, la couleur. Eh bien, enfin, on dirait que cette session touche à sa sombre, fin. Quoi. Mais nous en reparlerons très bientôt. En attendant... Je vous conseille d'éviter les endroits sombres. D'accord, monsieur. Tiens, merci. Les endroits sombres, on n'y va pas. Tu vois, ça c'est Winston, il peut placer des phrases d'enculé comme ça. Exactement. Et il faut les prendre au pied de la lettre. Rire, t'en chanter, ça. Faut le baiser. Hein. Moi, quand je pense que... Il n'y en a pas eu l'effet papillon encore seul. Non, mais je vais bouder hein, quand il va avoir. Ah, moi je vais... Oh, je crois que ça dure si longtemps, ça. Je crois que c'est si non, ça. Que, non, c'est coupé avec le. Avec le bus. Avec le bus.
Bah oui, t'auras un peu de générique, mais c'est coupé direct après, quoi. Parce que là, j'ai envie de faire pipi, là. Bah, si tu veux aller faire pipi, c'est maintenant. Après, tu peux faire pause, hein. Voilà. On dirait le chanteur Léna. Mais les gars, c'est pour ça que quand elle chantait ça, moi j'arrêtais pas de dire en dehors du temps. Mon jeu préféré, les gars. Ça va me faire plus plaisir. Hein. Perso, Winston, c'est plus pour vous que The Foula. Non, parce que t'as pas regardé. Enfin, t'as pas vu encore. Apparemment, tu as déjà joué. Le jeu est vraiment incroyable, oui. Vas-y, Kylian, je fais genre, j'ai pas vu tes messages comme ça au moins, voilà. Toi, t'es trop haineux, toi. Non, mais Kiki, je vais le ban, genre. Ouais, bien d'accord. C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Les locales, Annie Klein... Tu sais que je me mute pour voter maintenant. Merci de me recevoir, Martin. Dur. Parce qu'il me faut ralasser 5 subs à chaque fois que je vote. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Oui, je suis d'accord, d'ailleurs. Les Dark Pictures, la musique, elle est incroyable. Personne en particulier retient toute notre attention. Quand il rentre dans le truc, là. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Remis en garde contre la poursuite de leur projet de construction. Et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Les hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ah, ok, ouais, parfait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver. Il y aura beaucoup de dialogues et tout, les gars, c'est normal. Voilà. C'est le jeu. Je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. C'est comme regarder un film interactif. Donc, en fait, je voudrais. Oui, il y a beaucoup d'acteurs, de voix françaises, d'acteurs et pour tout. Pour aborder le sujet sensible. Si jamais. C'est normal. Que vous vous faites tous du souci pour moi. Je sais plus c'est dans lequel il y a le mec du labyrinthe et tout là. Ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément. Non, il dure 6 heures, Kiki. Qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre. C'est Little Hope, Crazy, non? J'ai envie de passer du bon temps. C'est Mister Robot, c'est vrai. Vous. De partager avec vous des moments inoubliables. Et je le fais pour mes sœurs. Vous voyez. Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti. Non, Bad Slayer. Enfin, pour moi, le premier, c'est Little Hope. Celui, c'est Man of Medan sur le bateau, non? Je crois. Je sais plus. C'est pas le premier Man of Medan, je crois. Little Hope est sorti avant, je crois. Je suis pas sûr. Peut-être que je dis des bêtises. Je sais plus, peut-être que t'as raison. Je dois rejouer là. Ouais. Starfall là, frère. Dès le bon se bat. Ah bah c'est Man of Medan, t'as raison là. C'est
Sam, meilleure amie d'Anna. Appliquée, bienveillante, audacieuse. Ok, impliquée, bienveillante, audacieuse. Du coup, jamais j'ai des choix à faire avec elle, faut que je fasse des choix logiques avec sa façon d'être. Eh oh ! Y'a quelqu'un ? C'est quoi, bienveillante, appliquée, audacieuse ? Je t'arrive, on te dépose pas ici. 4 ou 5, je crois. Ouais, elle, c'est la gentille, elle. Ah, ok. Dis-toi qu'il date ce jeu, hein, les uns. Il date sa grand-mère, hein. Mais c'est une exclue console, en fait. Écris pas. Le gate est cassé. Grimpe par-dessus. Non, je pense que c'est de l'autre côté. On dit que ça meurt, on prend les rapidités, nous on se voit les couilles. Et j'ai dit. Ouais, doucement la Russe. Calme-toi. Merci Pablo. On dirait Elisa. Oh. Merde. Salut petit gars. T'as faim ? C'est ça ? T'es chou. J'ai retenu ma respiration pour pas bouger. Y'a que les oiseaux. Je sais pas c'est qui Dorothée poussé où. La population indigène et les prophéties des papillons. Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prophéties des possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. Mort. Les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver. Danger, les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie, les papillons marrons. Conseil, les papillons jaunes. Chance, les papillons blancs. Ok. La doubleuse de Margot Robbie. Oh, les gars. J'ai oublié déjà les papillons. C'est un papillon jaune ? C'est jaune ça ? C'est quoi jaune ? J'ai rien compris. Non, elle est bienveillante. Je devrais peut-être pas fouiner dans les affaires de Chris. Vous avez vu là, j'ai fait un choix et ça a modifié le truc. Chris a le béguin pour Ashley. Protecteur, comique, méthodique. C'est qui Ashley ? C'est celle que je joue là ? Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi ? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Non. Juste à côté, tu vas halluciner. Ah oui, Sam, c'est ça, Sam. Oh la vache, regarde ça. Ça,
sympa. 1m88. Pour un incident criminel au premier degré ainsi que pour diverses menaces de mort. Quelqu'un y a pensé. Ah mais non, l'endroit est désert quasiment toute l'année et personne ne vient ici. Tada! Un stand de tir. Ouais. Quand même, t'as vu ces merveilles? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer? Non, après toi, Crockett. D'accord. Ok, allons-y. Ok, ça y est, putain. Wow, je sais quoi. Bah, je vais partir chercher ma commande. Mais ouais, j'ai maintenant à trouver. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Ça clash. Non, je suis pas les curés. Joli tir. Et regarde-moi ça. Eh, hey, Buffalo Bill, notre taxi arrive. Eh, hey, je commençais juste. C'est le premier que t'as eu là? Allez, non, le deuxième. J'en ai déjà eu deux. Ça me fait peur. T'avais le choix de fouiller dans son bigot ou de fermer le sac. Mais vu que c'est une meuf bienveillante, et bah j'ai fermé le sac. Ok, t'es le premier avec qui, enfin que je vois jouer, et qui cala les trucs de caractère des persos. C'est important, je pense. De fou. Une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivé, tout m'est revenu en 2 secondes. Ah non, c'est rapide. Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Ouais. Josh voulait qu'on la laisse fermée pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça? Quels gens? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Après toi. Oh, un vrai gentleman. En vrai, heureusement qu'elles sont pas là. Elles auraient tout commenté là, putain. Je te jure. Il n'y a pas de... d'immersion, hein. Je pensais que c'était plus près. Bon, on va attendre. C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Même en étant plein aux as. Ils sont pas si riches. Ils ont acheté qu'une montagne. Hein? Enfin, on y va. Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais ok. Ça, je suis allé une fois au ski, hein. Qu'est-ce que j'étais effrayé dans ce truc de con là. Ah voilà. T'aimes pas? Non. Ouais, comme au bal de promo. Un truc maintenant, c'est rare les trucs fermés comme ça. Allons-y! Bien! Non, c'est ouvert quand même. J'espère qu'on va pas le regretter. Quoi? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non,
C'était l'animation est trop bizarre, ça date de 2015 d'ailleurs. Les autres le pensent aussi. Ouais. On est tous là, non? Merci, c'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh? Non. En CE2, Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et? J'ai dû aller au fond. Et? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté? Hein? Qui sait? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même? Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi? Boum! L'effet papillon. Je vous recontacte bientôt. Jess, la nouvelle copine de Mike, naïve, irrévérencieuse, assurée. T'as compris, j'ai dit quoi ou pas? Tiens. De nouvelles personnes. Je vous recontacte bientôt. Moi, je pense que là, tout peut se passer. Tout peut se passer. Moi, je dis, je peux pas juste faire live, quoi. C'est quoi ça? Les frères. Hey. Jessica, par ici! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? En plus, elle était grande hype. On est coincé dans ce truc, là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît? Oh putain, bordel! J'ai cru qu'on était fichu. 10 minutes de plus et j'aurais. Ça veut dire qu'elle manque de respect, irrévérencieuse. Oh, t'es un porc, Chris. Regarde. Oui, genre hautaine, quoi. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hein. Hop là. Hey. Eh bien, qu'avons-nous Chris là? Chris. C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer? Je me demande. Toi, tu dis les termes. Ça te Prends-moi dit pas. Ça, gros débile. Débile, c'est vrai. Mais fier de l'être. Oh, t'es vraiment trop con. Peut-être que les gros malins dans ton genre feraient mieux de se mêler de... leurs affaires. Ouais, j'évite de le faire, parfois. Allez, Jess, tu peux nous le dire. On sait garder des secrets. Peu importe. Vous le découvrirez tôt ou tard. D'accord. Rentrons simplement au chalet, j'en ai marre. Il n'y a que des mises à jour, ça me fait rire. Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Ce qui est bien, c'est que... Quoi? Même dès le début, une décision que... Peu importe. Tu as un personnage, genre, plus tard. Ouais. Sam? Vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Ta gueule. C'est vrai. Vous auriez pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique. Le meilleur personnage de jeu, il est là. Émilie? Ah oui. Entreprenante persuasive intelligente. L'ex de Mike. Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Matt, le nouveau copain d'Emily. Ambitieux, sportif, motivé. Tu vois? Et notre porteur, hein? Il est où? Ah bah ça y est, je vais devoir refaire le même chemin, ça me dit. Allez. Oh. Comment elle se fait bully par sa meuf là? Presque. Tu me rappelles? Ta maison de bas. Ah. Ouais. Ça va faire bizarre de revoir tout le monde. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Ah, je vais porter sa valise. Le fou. Ah mais Max, c'est le bâtard de... Ouais, c'est bon. Débrouillard déterminé, persuasif. Sérieux? Michael! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux? Putain, mec, j'ai failli te frapper. Sympa. Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein? On n'a pas besoin de violence, c'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance? Sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça.
Il est gentil, lui, je crois, normalement. Il est pas méchant. Michael, je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. Je vois que c'est un bon. C'est très gênant, et nous le savons tous. Alors, pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose, d'accord ? Matt. D'accord. J'ai compris, je veux pas que ça soit bizarre. Super. On est cool ? C'est cool. Vous allez vous ploter, maintenant ? Oh oui, on veut trop se ploter. Non, c'est bon. Je vais aller voir le téléphérique en bas. Ah, je me taille gueule un peu. Ok, à plus, mec. À plus. D'accord. À plus. J'ai mis une pression, mais chill, t'as regardé ? Ouais, petite pression vers la Thomas. Quoi ? Arrête. Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît ? Les sacs ? Ouais. Non, je vais pas appliquer, hein. Tous les sacs. Dis-moi pas, va aller voir Mike. Il faut que j'aille trouver Sam. Vas-y, fais pause. Ok. Fais pause de ton sommet. Toi, commence pas. Quoi ? C'est bon, t'es tout horrible là, mangaka, déjà, c'est bon, je goûte assez. Ça non, mais là. Moi, je suis mat, là. Ma meuf, elle me dit ça, alors qu'il y a son ex qui vient de partir dans ce sens-là. Je dis, suis-moi, ta gueule. Ouais. Non, mais t'es un baiser, frère. Mais c'est quoi ces moves de fou, là ? Et voilà. Ah, je suis désolé, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié. Dis-lui non, frère. Matt, s'il te plaît, Aïchik, dis-lui non. Ça peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Voilà, non. Voilà, non. Voilà, non. Voilà. Je pense vraiment que tu devrais pas y aller toute seule. T'es sérieux ? Il fait froid, et la nuit tombe et... Voilà, et non. Et donc tu vas me protéger de la nuit voilà, qui tombe ? Voilà, non. Je vais laisser nos affaires là et venir avec toi. Personne va les voler. Matt, c'est le personnage masterclass. Voilà, tu peux même pas me laisser seule 5 minutes ? Tu me prends vraiment pour une gamine ? Elle. C'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu m'écoutes jamais ? Pourquoi tu remets en question tout ce que je dis ? C'était chaud. J'essaie juste d'être serviable. Bon, bah, si tu veux être serviable, t'as qu'à monter toutes les affaires au chalet le plus vite possible, ok ? Ok. D'accord. Mais wesh ! Comme tu veux. Merci. Matt, ma gueule ! Je te rejoins là-haut dès que j'ai trouvé ça. À toutes. Non, t'es vraiment une petite salope, hein. C'est une dinguerie. J'en ai vu des petites pétasses maintenant, lui. Elle lui a retourné le crâne en 2 secondes. Hein. Non, mais c'est une salope. Parce qu'il s'est mangé dans le crâne. Non, on mange pas, moi. Albéguin pour Chris, studieuse, curieuse, honnête. Starfall, là, non. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Il y a deux hommes, regarde, dans les binocles. Je suis désolé. Rigole. Allez, bah, je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier. Oh, et bah... Albéguin pour qui, déjà ? Sincèrement. Chris. C'est bon, ça va. Ouais. Toune, Chris. Qu'est-ce que tu regardes ? T'as un truc intéressant ? C'est des blagues de merde. Laisse-moi regarder. Je suis là avec Sam qui est monté dans le télésiège, là. Vas-y, regarde. Oh, putain. Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir, si tu veux. Ok. Putain de merde ! Vraiment, Émilie ? C'est quoi ce bordel ? Hey, écoute, c'est sûrement rien. Rien ? Tu crois ? Enfin, tu vois... Arrête, c'est jamais rien avec M. Hein ? Je sais pas... Oh, fais chier ! Matt ! Salem. Salem. Salem, alaykoum, salem. Émilie, fuck you, man. Et le pire, c'est que les deux sont en couple, là. Oui. Bah ouais, ça. Eh, j'aime bien, elle. Quoi ? Bah, c'est la même phrase. Mais moi, c'est la vie du pareil. Ouais, je suis un enculé. T'as pas osé faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. T'es cerné. Mais qui suis-je pour répliquer ? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener. Il y a une boule de neige là, je la vois. Voilà. Mais je suis une petite salope, du coup je vais courir vers le banc vu que j'ai commencé à RP. Oh, c'est pas très gentil, ça. Pink ! Merde ! Va falloir faire mieux que ça, mon grand.
Où est-ce que tu te caches, ma petite poulette? Ou plus ça, mais. Conseil, ça. Jaune, je crois. C'est-à-dire quoi? Faut que je fasse un truc qui n'est pas normal, donc je dois pas le toucher, Belek. Tiens, pour là, j'ai. Je me fais des théories dans ma tête. Tu peux pas m'échapper, Michael. Tu sais, c'est important, toi. Heureusement, tu vas pas choper. Hein. Je mets une tête là. Je vais trouver Jess. Et puis quoi? Ça suffit. Oh non, ça suffit pas. Tu vas finir par elle. Je t'ai eu. C'est fini. Bien fini. Alors, j'ai fini par terre? Je crois pas. Je crois que tu le saurais si c'était le cas. D'accord, d'accord. Alors, te rends-tu, vil manant? Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica, hein, des boules de neige. Ah, sans voyer. Ok, ça sonnait un peu sale. Sans neige comme ça, là. Madame. Oh, voilà. Il y en a, ils n'ont pas de limite, hein. J'aurais dû faire une boule de neige. J'aurais dû mettre une boule de neige dans la gueule. Waouh, garde-en pour plus tard, mon grand. Mes réserves sont inépuisables. Mon grand gourmand. On devrait rentrer au chalet. Ouais, c'est joli ici pourtant. La vue est à tomber. Chienne. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours. Comment on en fait bien, elle. Seulement. Ah non. Si on restait, c'est bon, passer tout le temps. Juste s'embrasser. Bah, entre guillemets. Perso préféré de Brima, c'était Ashley. Je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. La meuf qui a déjà un Mike. Enfin, un Matt, vas-y, regarde dans les jumelles. Ah ouais, son bonnet. Ouais, ouais. Et... on va déjà le Hajj. Bonjour, bonjour. Le Hajj. C'est comment? Comment allez-vous, hein? Ça va et toi? Ça va, tout va bien? Nous avons à peine effleuré la surface la dernière fois. Donc maintenant, essayons d'approfondir les choses. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Prenez ce livre et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. Direct la vue. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. Moi, la femme, frère. Tous les jours, hein, la semaine. Hein. Pourquoi ça? Parce qu'ils sont inquiétants, frère. Les avions. Oh, les couilles des gens. Pareil, la foule. Vertige. Ah ouais, tous les jours. Même si je pense que mourir noyé, c'est encore pire. Ça, ah oui, c'est sûr. Ça reprend. Les rats, tu mets un coup de pied, c'est fini. Je sais pas. Bah si, on va un pistolet, je pense. Alors moi, couteau tous les jours. Ah ouais? Ouais. Parce qu'un pistolet, tu te dis, tu peux rien faire, de toute façon. Ouais, coup de couteau, ça fait mal. Coup de couteau, ça... Bah en fait, tu t'es blessé. Mais... En fait, un pistolet pour moi, ça peut plus atteindre ta vie qu'un couteau. Tu vois ou pas? Oui, mais vu la gueule du couteau là. Un coup de couteau. Ouais. Oh, ça reprend, ça frère. Je vais manger, là, bien cassé le cou. Les clowns, ça me fait pas peur.
Oh, moi non plus. À droite, j'ai un peu plus peur quand même. Oh. Bah, j'ai peur de rien dire. Mais après, là, c'est le sang me dégoûte. Bah, c'est même pas une peur. Pas. Le sang, ça me dégoûte pas. Oh, les couilles, en vrai. Bah, je préfère mettre le sang me dégoûte que la peur des corbeaux. Qui a peur des corbeaux? Bah ouais, c'est ça le problème. Oh, oui, je suis du rêve. Je vous ai fait peur, mille excuses. C'est dommage, j'ai pas eu peur. Vous vous en sortez bien. Détendez-vous. Mais fou lui. Mais tu peux, comment tu peux dire détendez-vous alors que tu mets des screamers, gros bâtard. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Les araignées, j'aime pas, moi. T'aimes pas les araignées? Non, les grosses araignées, genre les petites, ça me fait rien, mais les grosses, c'est hardcore, frère. Oui, c'est sûr. Ça, un loup, ça me fait plus peur que du sang. Hein. Bah, mais les loups, hein. L'orage, j'ai pas peur, frère. Non, mais encore eux. Mais il y en a qui. Je comprends pas, mais ils ont peur de l'orage. Voilà qui est intéressant. Ouais. Merci pour cette si grande application. Les araignées, les épouvantails, les loups. Tu sais qu'il m'a déjà posé la question en jeu. De quoi passer un bon vendredi soir. D'Elwin. De quoi? Elle m'a déjà posé une question comme ça, en jeu. Ou quoi? En mode sur les animaux. La session touche. J'aimais pas, il m'a demandé si j'aimais bien les serpents. Nous en reparlerons bientôt. Mais dis non, pourquoi? Mais dis comme ça, comme ça. Il est trop fou ce mec. C'est la merde. Qui me ramène des serpents, je sais pas. J'allais trancher une oreille, ça fait. C'est sûr. Fearlessly in the until down. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave? Oh, ça va, elle le mérite. Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? C'était juste une blague, Anna! Non! Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Et là, tu ramènes tes potes où tu veux, mais pas... J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments... Arcage de doute. Des moments inoubliables. mais je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Putain de merde! Eh ben, j'ai dû aller au fond. À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum! L'effet papillon. Ah lui j'aime vraiment pas. Hein. Je trouve que la montagne grandit à chaque fois que j'y grimpe. Déjà chapitre 2 frère, bah, t'as bien commencé. Josh, frère d'Anna, réfléchi, affectueux, compliqué. Ok, Monique elle dit. T'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle reste ici. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici? Je commence à plus capter. Bah si t'as un million en trop, donne-le moi et puis je m'en occupe. Ah bah puisque t'en parles... Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Salut. Ça s'est bien passé? Ouais. Plus ou moins, mais ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qu'il a? Yo, yo, yo. Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi? Ouais, mec. Oh, lolo. Si. Eh, hey, comment ça va? Je veux dire... T'as pris quelque chose? Je sais que ça doit être vraiment... Inquiet. Je voulais juste... Je sais ce que tu voulais dire. Non, sérieusement, je passe à autre chose. Je veux simplement qu'on s'amuse, qu'on profite. Attends, lui, c'est l'ex de qui, lui?
Lui, c'est avec sa personne. Lui, il a le béguin pour Ashley, là. Ah oui, c'est vrai. Ashley, c'est qui? Bah oui. Celle qui est assise sur les escaliers. Avec son bonnet. Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Et lui, c'est le frère des deux sœurs qui sont mortes. Il va y avoir une fenêtre pour ouvrir. Josh? Ouais. Attends une seconde. Tu veux dire entrer par effraction? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non? Ouais. Tant que je te dénonce pas. Allez, je te suis l'artiste. Salut Chris. Alors, comment tu vas? Bien, mais j'ai un peu froid. C'est quoi ce bruit? Je crois que je me bloquerai bien. J'allais dire, ouais, fait les mêmes bruits que... Comment ça s'appelle? Que Chéri dans RP là. Hein. Ashley était carrément canon aujourd'hui. Hein. C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas? J'aimerais vraiment lui arracher sa parka et me rouler dans la neige avec elle, tu vois. Il est protecteur en vrai. Mais surtout qu'il la kiffe lui, quoi. Hey, du calme, mec. Eh bah, si tu te la fais pas, peut-être que Mike va s'en occuper. Bon, tu veux bien arrêter. Relax. Je vérifiais seulement si tout marchait correctement là en bas. Ouais. Écoute, mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques. Toi et Ashley, enfin seuls. T'as fait le plus gros du travail, t'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. Je sais pas. Mais comment tu peux ne pas savoir? Mais si ça devenait bizarre, qu'elle ne voulait plus être mon amie si je tentais quelque chose. Tu m'as pas écouté ou quoi? Il faut te bouger, mec, sois un homme. Alors, comment on fait pour rentrer dans le chalet de mes parents, vieux? Et qui a dit que j'avais un plan? Ouais, j'en avais l'impression. Tu ferais mieux d'en trouver un, mon gars, sinon t'as quatre jolies filles qui vont se geler les fesses. Et aux dernières nouvelles, c'est pas le mieux si tu veux coucher. Toucher? Personne n'aime les petits plus gelés. Eh ben dis donc, on a affaire à un intello, bien joué. Ça va, Tomia? Ils vont pas casser la fenêtre quand même. Je sais même plus ce qu'ils font, les deux là. Donc c'est les deux là, je ne pas. Ouais, c'est bon. C'est con, frère. Non, mais lui, il est vraiment un personnage là. Hein. J'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi, en sport? Tu sais où il faut grimper à la corde? Putain, wow. Pute. J'ai fait ça, moi? Ouais, ça va. Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Hey Chris, je viens d'avoir une super idée. Hein? Ouais. Et c'est quoi? Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet. Je comprends pas, comment un déodorant pourrait aider? C'est un vaporisateur. Ah, ouais, j'ai compris. Mais c'est pour faire quoi là? J'ai pas compris. Un lance-flamme. Comme on fait avec les petits soldats. Ouais, ceux qu'on a fait fondre. Dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Ah, mais la serrure est gelée, je trouve. Alors tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir? Non, mais je vais juste parler avec Ashley, ouais. Et bon courage, mon vieux. Je te jure. Il l'a envoyé au charbon, il va se régaler, lui. Oh oh. Ah.
Ah, bon, ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du lance-flamme, les gars, là. C'est pas... rien, c'est des rats, pas paniquer, bah les couilles. Un peu, un tout petit peu. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Non, je suis plus trop chaud pour le lance-flamme, les gars. Là. Là, ça va plus d'odorant. Ça ne déodorant plus. Photo. Hein? C'était quoi ce truc? C'était un courant d'air, ça. Je reconnais. Quoi? Bah non, mais tu reconnais bien. Faut être rationnel dans ces moments-là. Bah oui. Courant d'air alors que tout est fermé. Mais ouais, c'est... Chris, très marrant. Et comment tu m'as reconnu? Est-ce que tu devais pas essayer d'ouvrir la serrure? J'y vais. Il y a la télé qui est allumée ou je suis fou, frère? Non, pour les bruits, là? Mmh. Ah, y a pas de télé, y a pas d'électricité. Non? Ouais, y a rien d'allumé, ils ont même pas de lumière, là, y a rien. Regarde, là, la télé, en plus. Oui. C'est quoi ces voix de con alors là? Faut que tu montes en haut. Ah ouais? Ouais, ouais. Puis elle dit à la salle de bain en haut. Mais non. Je comprends rien, gros. Là, faut juste faut trouver la salle de bain. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit quand même dans une maison. Ça, je marche en mode zarap. C'est quoi cette salle de Google? Peur? Ah, parfait. Non. Tu le savais? Oui. Tu me tiens taille. On est en train de geler sur place. Waouh! Wesh. Allez, se blaze ici. Hein. T'es bien tranquille, toi. Merci. Je serai là chaque semaine.
C'est gros ce truc de con. Merde, ce truc m'a fait flipper. C'était quoi? Est-ce que ça va? C'était un ours ou un tigre, je sais pas. Oh, c'est oui, un tigre. Un mignon petit bébé glouton. Un bébé? T'inquiète pas, petit. Un de ces jours, tu seras grand. Home sweet home. J'aurais pas vraiment dit ça comme ça. Oh la vache, ça fait vraiment du bien d'être là. Même si on se les gèle un peu ici. Bon, bah je vais allumer un feu. Cet endroit n'a pas du tout changé. Bah personne n'est revenu. Même avec tous les agents de police? Ça a été calme ici dernièrement. Non. Vous êtes prêts à faire la fête? Salut! Salut! Ouais, vas-y, fais comme chez toi, mon pote. D'accord. Ouais, vas-y, entre. Viens te relaxer, prends ce que tu veux. Tu prends déjà tout ce que tu veux de toute façon, hein? Waouh! Doucement, cowboy. Bon, les couilles. Qu'est-ce que alors, tu faisais avec M sur le chemin? Quoi? Je vous ai vu. Avec le télescope. Eh ben, on s'est croisés. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, alors je l'ai prise dans mes bras. C'est interdit? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, et y a rien eu d'autre. Tu sais quoi? Tu peux penser ce que tu veux. C'est un pays libre. Fais attention, Mike. Ah, même pas comment ça commence déjà à se mettre des pressions là. Mais ça te dérange pas, elle. Grosse pute, va. Oh putain, c'est trop dégueu. Attends, est-ce que t'essayes d'avaler sa langue là? M. Non, sérieux, elle en fait pas un tout petit peu trop? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Pardon? T'as dit quelque chose? Oh, bien sûr. T'étais trop occupée à faire ta connasse. Tu vois, on dirait que tu es aigrie de ne pas avoir réussi. C'est ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau? Bravo, jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache. Ah, provoquer, provoquer. La merde, là. Hey, tu mets vraiment tout le monde mal à l'aise, là, Jess. Quoi? T'es jaloux? Emily est trop frigide pour toi, c'est ça? Hey, tu... t'exagères, écoute. Peu importe. Je me fous de ce que tu penses. Au moins, j'ai un cerveau. 20 sur 20, bouffonne. Mange-toi ça. Tu t'en foutras moins quand tu galéreras pour trouver un boulot. À quoi peuvent bien servir les notes quand on a tous les atouts que Dame Nature peut donner? Oh, chérie. Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain rassis avec ses fesses. Mais t'es sérieuse? T'appelles ça une insulte? Cette garce prend du crack ou quoi? Emily, arrête! Ça dépasse les bornes. Vous n'avez aucune raison de vous battre. Bah oui, M. Dis-nous, pourquoi tu veux te battre pour ton ex-copain, hein? Arrêtez! C'est pas pour ça qu'on est venu ici, ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si on n'arrive pas à s'entendre 10 minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non? Mike, pourquoi est-ce que tu irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais, d'accord. Tu veux y aller? Tant qu'elle, elle n'y est pas. C'est au bout du chemin. Content que ce soit fini. Ouais. Alors, Josh, tu nous l'allumes, ce feu? Il est où, mon sac? Hein? Mon sac, le petit sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Odéo. Matt, tu m'écoutes? Mais si, tu t'en souviens pas? À côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu m'as tait la fille au comptoir. Eh ben, elle me posait des questions sur ma veste en cuir. Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste? Matt, je veux mon sac. Oh merde, M, peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac? Bah, elle n'avait pas tout à l'heure. Non. Non, pas du tout. Putain, t'as dû le laisser à la station du téléphérique. Allez, viens. Ce sera pas long. Et après, on se réchauffera? Ouais, beaucoup même. Ok. C'est une dinguerie. Ok, allons-y. Allez voir son ex, maintenant elle chauffe. Sale pute, hein, je la déteste. Ok, je vais prendre un bar. Ouais, non, j'aime bien elle, moi, elle. C'est la blonde là? Mmh. Ouais, bah, c'est le perso préféré de tout le monde. Elle.
exilé. Sexilé. Ça me va. Ouais, elle parle que de cul, elle. Non, elle, c'est une chienne, elle. Il est loin, cette espèce de gîte. Ce fameux gîte. Comment ça se voit, c'est la petite pétasse de merde qui se débite, là. Romantique que tu verras de toute ta vie. Ah, je me lâche. Non, alors, si vas-y, jamais on y arrive. Oh, j'ai l'impression que la chance. Mais toi, quand il est entre 4h et 5h, ça part. Peut-être que tu seras chanceux. Je sais pas. Eh, les stars du porno, vous allez avoir besoin de ça. Non, c'est pas ça, c'est que. Charmant. C'est, elle joue trop mal, le rôle de pétasse. Tout à l'heure. Oui, vraiment, pour le coup. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, costume. Pourquoi Emily, c'est un perso master class, je comprends pas. Et déjà, j'ai jamais dit perso master class, c'est le meilleur perso du jeu pour moi. Il faut allumer le générateur pour voir. Ben, je vais pas te spoiler la suite. Mais là, en vrai, sur ce qui se passe déjà, elle s'embrouille avec l'autre, qui était sa meilleure pote, qui sort avec son ex. Ok. Tu veux l'inviter avec nous? Vraiment? Donc pour l'instant, l'embrouille, c'est logique un peu. Ouais, mais elle trompe son mec, cette pute. Oui, non, ça par contre, voilà. C'est pour ça. Pour ça, tout le monde au début la déteste. Mais après. Après, si tu l'aimes pas et que tu veux la faire mourir, j'ai envie de te dire, c'est le personnage le plus dur à faire survivre. Donc bon. Ah bon? Ouais, c'est elle qui a le moment le plus chaud dans le jeu. Bon, c'est bien ça. Ça va bien caner cette fille de guerre. Le but, c'est que tu sauves tout le monde. Une photo ? D'accord, pourquoi pas. Non. Le but, c'est que je finisse le jeu de la manière dont je le veux. C'est sûr. Mais le but, c'est de faire survivre tout le monde, quoi. Après, vraiment, si tu veux la faire mourir, ça va aller vite. C'est parfait, on est le couple le plus mignon. Tu devrais faire mannequin. Garde cet appareil à proximité et je te laisserai peut-être commencer mon portfolio. Au gîte. Elle va faire des nuls là, la petite pétasse. Non, elle, faut trop qu'elle prenne un coup de rein. Elle va pas en prendre qu'un. Non, je... Il fait trop froid ici. Moi maintenant, je peux t'aider. Bon, là, maintenant, il y a eu les dialogues chiants, il y a eu les trucs. J'ai quelques idées en tête. Et après, ça a commencé à partir et ça s'arrête plus. Moi, c'est qu'il est court le jeu là. Il y a combien de chapters? Si elle croit 10. Qu'elle peut s'immiscer entre 10. Nous, c'est qu'Emily est aussi bête ouais. Qu'elle en a l'air. Ah, voilà. Avec un peu de chance, elle essaiera de nous suivre et se fera bouffer. On est chapitre 2-3 là, donc, déjà. Alors qu'il s'est rien passé. Faut lui donner raison pour pas qu'elle ait de doute. À mon avis, elle est jalouse. Ah, vraiment? Hyper jalouse. Quelle conne. Je me suis mis dans la peau d'un mec toxique. Hein. Quand même, parce que lui, c'est un mec toxique, lui. Pour ça. Ah. Je crois que ce truc a besoin d'énergie. Josh a pas parlé d'un générateur dans le coin? Ta gueule, Poufias. C'est que là, dans le film qui vont sortir cette année, et je me demande comment ils vont faire. Noir, mort. Bon, tu fabriques ce générateur ou quoi? Starfall Lay. Elle a pris une pêche. Après, une sacrée pêche, toi. Parfait. Voyons voir ça. Bim. Bien joué, Mikey. Wouh, t'es un vrai magicien. J'ai peur. Viens, Google. Que la porte s'ouvre. Plutôt bien, hein? Ouais, vraiment. C'est génial. Oh ouais! Je suis le DJ. La gêne, mon stop, Poufias. Ils sont trop à l'aise, je trouve.
T'es excité ? Je te jure, je meuf. T'en as pas l'air. Je suis trop excité, là. C'est comme une petite aventure. Une sexcapade. Non, mais ils vont aller baiser, là. Ah bah oui, il leur a donné les clés d'un chalet pour qu'ils tiennent. Ah ouais ? Bah oui, il leur a dit, tenez les clés du chalet. Nana, quoi. Le ruban de la police. De Anna et Bess. Ils auraient pu l'enlever ? En fait, personne n'a jamais clos l'enquête. Ok. J'ai la trouille maintenant. Bah, qu'elles soient maintenant, je suis sûr qu'elles sont heureuses. Qu'en pensez ? C'est une belle façon de voir les choses. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de Google, quand même. On l'entend partout, ce mot-là. Pas mal, c'est un mot trop bien. T'as arrêté de parler. Entendu ? T'as dit quoi ? T'as arrêté de parler, quand même. Ouais, il fait du bruit, le pote, donc je laisse. On n'arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça. Ah non, même pas en rêve. Il n'y a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat chaud avec Emily. Jess ! Gueule, va. Putain ! Hé, Jessica ! Ouais ? Ça va ? Bordel, tu m'as foutu une de citrouille ! Tu crois que j'ai pas eu peur, moi ? Et tu t'es pas blessé au moins ? À ce que je vois, j'ai toujours mes 7 membres sur moi. Ouais. Tu peux sortir ? Cette membre ? Je peux pas te dire ! Tête ? Je sais pas ! Je vois rien du tout ici ! Jambes ? J'ai eu peur ce qui était écrit à droite, j'ai mal lu, tant que je suis fatigué. Je sais pas ce qui est... Je sais plus. Héroïque. Au pire, on finit ce chapitre là et on bouge, hein. Je viens te chercher, ne bouge pas. Parce que même moi je suis fatigué, en vrai. Attends, heureusement j'ai bougé là. Oui. Oui. Pour ça, il était pas bien. Ok. Aide-moi à bouger, Ok. Cinq. Non, ta gueule. Quand je nous imaginais gémir à l'unisson, je pensais pas vraiment à ça. Chien. Le skilote qui dépasse là, remonte ton pantalon, je vais te baffer là. Et comme ça, frère. Zah, frère. C'est gros stress là. On va sortir par les fesses. Oh, putain de merde. Oh, bon sang, est-ce que ça va? Ça m'énerve. Ouais. Là, je vois la pétasse là, un minir. Elle est comme ça. Mais un minir. De toute façon, elle et Emily, je sais déjà leur destin. Oui, tu vas changer d'avis. Oh, dis quoi? Tu vas changer d'avis. Cet endroit me donne des frissons. Non, je vais changer d'avis. Dans le mauvais sens du terme. Je suis sûr que tu vas changer d'avis. Si tu veux. Sur qui? Les deux. Je vais te réconforter. Garde ça pour la cabane. Ouais, Jessica, gars. Je l'ai pas aimé du début à la fin. Donc Hey, pourquoi elle remonte pas son pantalon déjà? Mais je peux te le dire directement, moi personnellement, la seule que j'ai fait survivre c'est Jessica. Comment ça? Bah tous les autres je les ai tués moi, la première fois que j'ai joué. C'est la seule que j'ai réussi à sauver. C'est un drôle d'endroit pour fumer le cigare. Mais ça, on n'est pas au bon endroit là, c'est pas un chalet là. Non non là Là on est dans un repère de chétan là. Mais donc sors, pitié, c'est un repère de... historique. C'est un repère de chétan en Bécane. Oh, comme à Lascaux. Ça doit remonter aux Indiens. T'as eu ça, je pense. Ah oui, c'est pas passé loin. C'est le moment où faut se dire, bon... Je pense pas que cet endroit soit aux normes. Ouais, ok. Je pense qu'il est temps de partir. Voilà. Pour une fois, intelligente la grognasse. T'es bien, t'es bien, t'es bien. Mais remonte ton pantalon aussi. Danger, 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 danger. Vache,
Cet endroit est une vieille urine à retaper. Larve. C'est trop fou qu'il est vrai. Mais tu sais que moi j'ai cru qu'il avait bégayé. Et tu sais que quand il bégaye sur des mots, pour pas qu'on le termine, tu sais, il fait exprès de les répéter. Enfin, une petite lueur d'espoir. Même son tarma il est énervant. Oh non, non. Non, ça. Tes mains. Ah, ils sont sortis. Zaf ou pas? Ah ouais, ça met la lumière dessus là? Zaf ou pas? De fou. Ah non, il faut la mort. Ces grosses boîtes là. Y'a un truc là, non? Non. Non. Ah, mais Zaf. Mais ça avance, poussin. Eh bien, quand Josh a dit cabane, j'ai pensé Robinson Crusoe. Attends de voir la chambre de Robinson. Oh, tu as envie d'exploiter mon côté sauvage? Quoi, tu veux grimper sur mon palmier? Ok, ok. Ça, c'est des trucs que je peux pas faire dans ma vie. Oh, un télescope? De quoi? Des blagues de gueule comme ça. Arbres, regardez les nuages, regardez la pas ça. Tu fais ça, toi? Mais jamais. Waouh. Mais moi, je peux pas. C'est des trucs de pauvre, ça. J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Grimper sur ma tige. Ah, ok. Voyons ça. Je fais ça, je me prends une teutard carrément. Attends, mais. Ah, ça, c'est une fenêtre, Zarma? Hein? C'est plus ce que je m'attendais pas. Pas compris. Jess? Mm-hmm. Reste près de moi, ok? Pourquoi? Bah. Tu rigoles? Ce panneau dit que des ours bruns rôdent parfois par ici. Mais j'ai pas rigolé, là. Michael, je viens d'avoir une idée géniale. Quoi? Allons faire un câlin à un ours. Viens, s'il te plaît, allez, viens. Vas-y, voilà. Mais non, mais t'es pas bien, on va pas faire de câlin à un ours. Putain, on va casser les couilles, là. Oh, mais elle, c'est que je la déteste, hein. Ada, c'est un peu le même mood qu'Emily en vrai, c'est vrai. Ah, abuse, wesh. Pas autant, oui. Si. Ah, si, en vrai, si, frère. Bah, si, frère. Fait que ça, gros. Fait que ça, parler d'ici. Non, pas que elle, pas d'elle. Attention à toi, c'est pas d'elle, hein. Je parle pas du personnage, je parle de l'autre, là. La chinoise. Ah! Je joue le jeu, c'est la saison des amours. Waouh, coquin! Ouais, je suis comme ça, j'aime donner. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Allez, cruche, madame. Avance, s'il te plaît. Bon sang, Josh. T'aurais au moins pu dégager le chemin avant de nous envoyer jusqu'ici. Vraiment? Quoi? Je pensais pas que t'étais genre verre à moitié vide. T'as une meilleure idée? Recule, sale pessimiste. Ah! Ouh! Frimeuse! Hey, Mike! Je crois que t'as quelque chose sur la figure. Ah! Boum! Si c'est ça que tu veux! Jess? Jess! Samy! Quoi? Tu veux bien m'aider à allumer ce feu, s'il te plaît? En fait, j'entrais justement dans mon bain. Oh! Bah, surtout, hésite pas si t'as besoin d'aide. Très drôle. Quel truc bouffe comme ça. Tu vas faire ça.
Ça, je serais capable de le dire, ça. C'est pas vrai. C'est vrai, c'est lui. Oui, Josh, voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. Je ne choquerais pas de dire ça. Hein? Je dis, ça me choquerait pas de t'entendre dire ça. Ouais, ça me choquerait pas, moi non plus. Non, en vrai, je pense que pour tout le monde, pour la plupart des gens qui ont joué à ce jeu, c'est elle le meilleur perso. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Non, mais en vrai, on va bientôt arrêter, Kiki. Parce que je sais que Manny est fatigué, même moi je suis fatigué. Et on continuera. Oui, dans tous les cas, j'ai envie de te dire. Les autres chapitres, ils vont vite, tout va vite. Donc c'est pas comme si c'était un jeu super long, quoi. Je suis censé faire quoi? Je suis censé les rejoindre là? Je sais pas. Je crois que j'ai un trou là. À droite, t'avais la lumière. Remarque, soit constructive. Je crois que j'ai une meilleure idée pour vous. À la porte. Voilà. Vas-y aussi là. Bien vu, frère, bien vu. T'as un bon. Bah après, je vais mettre la lumière. Voilà. T'as un bon. Quoi là? Ok, bon, je parce que je suis à peu près sûr que dans cette bigoque de folie, on avait un plateau de spiritisme. Un quoi? Non mais commencez pas avec Patouilla. Non, bah forcément. Ça, là. C'est des conneries, mec. Ça marche jamais, je te dis que si, mec. On le faisait tout le temps. Enfin, moi... Hey Josh, on n'a pas d'eau chaude, c'est genre une méga priorité, non? Ouais, je vais allumer la chaudière. Elle est au sous-sol. Bon alors, vous... Essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris, ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Oh, attends, ils ont dit Jess, on dirait le perso Emily dans le projet Wood là. Ouais. Non. Si tu veux, bien. Non. Qui est elle là? La blonde? Alors. Non, l'autre, c'est de la pétasse. La pétasse. Non, les gars. Elle respectait moi dans même mini, wesh. Encore une. Coucou les amis, coucou frérot, coucou. C'est quoi le dingo? C'est un fou, quoi. Eh, t'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et Ash en mission tous les deux? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. Non, moi, le pire, c'est comment je l'ai récupéré quand ils disent ça. Voilà, ça, c'était tellement drôle, frère. Que je me suis passé pour un Allemand, là. Ils sont vraiment mignons tous les deux. T'as pas parlé toi, j'espère j'ai cramé. Juste qu'ils vont continuer sur leur lancée. Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un... Attends. Parce que j'ai vu, t'as commencé à improviser un truc, je sais un truc, mais c'est quoi là? Choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. Mais c'est pas plus drôle comme ça qu'autrement, genre. Avant que Chris ne bah bouge. Si. Mais vas-y, on va pas braquer avec des tasers. Attends, je dois faire quoi là? J'ai pas suivi, voilà. Tu dois suivre. Il est parti, ma gueule. Non, il est juste là. Il est ramené au sous-sol. Mais t'as vu, quand je lui ai parlé, je lui ai demandé des infos pour voir. Tu sais, Sam. Oui, Josh. Il a fait tout aussi, mesquin. Je voulais seulement. Mais ça se voit, c'est juste un bon, en fait, j'ai l'impression. Quoi? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année, et puis que... toi, tu sois là, Sam. Josh, ouais, c'était on bon est là de pour là. Toi. Vraiment, ah peu ouais, importe comment ça... et quand, on va tous surmonter ça, ensemble. Bah oui Sam, je bien sûr. Je vous passe un bon moment, tu vois. C'est hey, trop regarde, le chalet Bourvier. Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier. Ça, c'est sexuel, ça, un peu, je trouve. Non? Oui, surtout que l'autre, c'est un bon détraqué, là, celui qu'on suit en bas. À tout moment, il va nous faire un truc bizarre.
Il vient de faire un screamer, si je n'étais plus sûr. Non, non. Désolé de te ramener à la dure réalité. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Ouais, c'est... C'est vrai que ça craint par ici. Bah, il ouais. fait ça, frère. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Oh, 7-7, il le faisait souvent, hein. Bah, 7-7-7, c'était hardcore. Hein. J'en ai fait deux fois de suite. C'était tous les jours, frère. Tiens, tu peux... Il y en a un, vous m'avez fait ça deux fois de suite, en plus, en 7-7-7. C'était quoi? De quoi tu parles? Éclaire par ici, que je puisse voir ce que je fais. Mais frère, en fait, je comprends pas comment t'arriveras pas à respirer pendant que tu ris. Mais des fois, t'as jamais eu dans ta vie un fou rire où, genre, t'avais limite plus de respiration, genre? Non. Moi, ça m'est déjà arrivé. Genre. Mais voilà, j'ai pas bougé. Tu peux tenir la lampe pour que je puisse voir? Tu veux bien? Si, ta manette, elle est grave sortie du cadre. Ton manette, elle bouge pas, gros. On peut le refaire, en tout cas. J'ai envie de bouger, gros. Bah non. J'ai envie de bouger. Ah, j'ai envie de bouger, j'ai envie de bouger, j'ai envie de bouger, j'ai envie de bouger. Et tu vois que c'est... en vrai, okay, y en a des plus longs. Y en a, ils font exprès de durer longtemps. Ah, ça me va, c'est truc comme ça. En fait, je suis trop impatient comme mec, c'est trop nagué. Eh bah, ça faudra être patient, parce que ça va tuer des gens sinon. De quoi? Faudra être patient, parce que ça peut tuer des gens au bout d'un moment. Ouais. Bien. J'ai pas vu Wanda. Pas de galère. Je l'ai pas check. Juste bah ouais, pas de. Il a pris le démon là. Là, tu l'as mis le regarde comment il te regarde. Ça, ça pourrait être plein de choses et pas très sympathique. Oh, arrête. Je fais mon Josh, c'est tout. Waouh, t'as vraiment flippé. Ça à faire dans une cave là, sort des pranks. Sérieusement, y a un truc derrière toi. Je t'ai. D'accord. Il va se passer un truc. Je vais lui dire, il va pas me croire. Attends, où est-ce que tu l'as eu ton premier point? Ça commence pas à 30? Mais non, à 15. Ah, ouais, moi je suis plus branché ping. Mais attends, t'as entendu comme moi là? Josh. Quoi? Le rythme est étrangement régulier. C'est... Non, c'est pas du tout régulier. C'est comme le breathing cloche. Mais la tête de homme, on devrait. T'es un fou, quoi. Peut-être qu'on devrait. Je t'ai un tout seul dans ma, t'es un fou, frère. Pourquoi? Josh, il sert à quoi? Je sais pas, ici c'était... En plus, c'est ta maison. Un tuyau sur le point d'exploser ou un problème de chaudière? Non, je crois pas. Personnellement, je ne voudrais pas voir exploser ce chalet. Ouais, d'accord. Ok. Comment il se passe devant? Ah, fils de pute! Ça, c'est un connard qui fait une bague. Dans la vie, c'est le connard. C'est seulement pour éloigner les intrus. Hey. Quoi? Hey. Mais c'est quoi? Vous vous êtes fait avoir. Viens de mon cul, genre dans le jeu. Bien joué, celle-là était bien. T'es dame à faire raf. Quoi? Tu... T'as fait ça? Quoi? On a une vraie ambiance de film d'horreur, allez. On prend du cri. Mais si, Mia, t'inquiète, c'est carré. Tu déconnes, là.
J'ai eu raf. Et toi, t'étais au courant de tout ça? C'est le perso qui a crié dans le jeu. Mais t'étais au courant, toi, fils de pute? Ouais, j'étais au courant. T'es vraiment un fils de pute de merde, frère. Je peux admettre que ta plaisanterie débile avait peut-être une certaine dose d'humour. Je suis le maître de la blague. Non, non, j'ai rien dit. Lui, je peux pas que je regarde en vue. Ah là, j'ai eu peur, frère. Je te jure, t'as crié de ouf. Non, attends, moi, t'as pas crié de nickel. Non, mais t'as pas fait un, t'as fait un gros cri. Tu fais oh! Non, je fais ah! Ah! J'ai ce que j'ai fait, voilà. Trouver ma vocation. Pitié, dis-moi que tu vas faire un vœu de silence. D'accord, d'accord. Et t'as trouvé le bidule? Oh, combien? Voici. Qu'est-ce qu'il a? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Non! Non, 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 j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair. Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok. Quand le chapitre se finit, c'est Sam Aikoum, les gars, je vous le dis. Là, il va se lire, là. Donc, ça va. Toi, là? Non. Allô, je te parle, Matt. Viens avec moi chercher mon sac. Sale pute, ouais. D'Emily. Pourquoi on la suit? C'est son mec, hein. Tu connais, hein. Cette clocharde, mais c'est un suceur de bite, il l'a vu avec son ex, bro. Petite chienne de guerre, va, t'es vraiment une petite salope, Matt. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est un conseil, ça. C'est un danger, ça. Tain, arrête de m'attendre comme ça, comme si j'étais long. On va se bougner, toi et moi. Les deux couples, ils partent, comme par hasard. Non mais c'est... fils de pute, tu l'as vu avec son ex, tu fais ça. Oh, il me fout la mort. Il faut qu'il calme lui aussi, ça y est. Quoi? Y'a quoi? Hey, Amy? Ouais. Je crois qu'on devrait commencer à profiter du week-end maintenant. Allez, on efface tout. Oh? Pas de dispute. Ni de Mike ou... En fait, les deux, c'est des cons. Juste... Bon. Toi et moi. Moi, je peux pas la tarter. Oh, genre au naturel. Exactement. Il va faire mourir tout le monde. Eh, je te jure qu'il quitte, je pense que lui, il aura pas de survivant à la fin. Bah, s'ils me arrivent tous, oui. Et moi. Bah, rien à foutre, moi. T'as rien à perdre. Hein. J'ai pas eu peur, voilà. Ok. Ah, c'est ouais, c'est un lampadaire quoi. Il fait du boucan le lampadaire aussi, frère. J'ai marché à Mano Franklin. Il fait du boucan. C'est moi, j'ai dit, ça fait du boucan. Oui, oui. Vas-y, fais du boucan. Tête, viens par là. Ouais. Ah, là, y'a plus de. Hein de nous trouver un coin plus intime. Ah, gros, quand ça parle de. On y va, hein. Y'a plus de rentrons là. Ah, y'a plus de rentrons, y'a plus de. Hein ça, si ça parle de. Ah, la faiblesse, frérot. Ouais. Merci de m'aider pour mon sac. Je sais que je suis pas toujours facile à vivre. Pas le plus de. Boudé. Voilà, je boude. Je suis un bébé. Ouais. Ok. Pas de soucis. T'as pas l'air vraiment convaincu. C'est bon. Vraiment. Oh, chérie, je rêve ou tu boudes? Mais non. Oh, oh là là. Alors, attends de revenir au chalet, tu verras comment je compte te remercier. Là, d'accord. Là, ok. Avant, non. Maintenant, là, pourquoi pas. Là, là. Ah, parce qu'elle va dire, il faut que c'est commentaire. Elle ressemble à... Je sais pas c'est qui la meuf de GMT. Moi non plus. Elle va survivre. Elle va survivre, ouais, peut-être, finalement. Cool. Je sais pas encore, on verra. Oh, moi, vu que c'était le moment le plus chaud du jeu, j'ai quand même un peu tryhard pour la faire survivre. Après, ah ouais. C'était il y a 9 ans, quoi. Plus de. Ouais.
Et c'est tellement cool d'être avec toi, Monsieur Musk. Ouais, c'est bien parce que t'es avec ton ex là-bas là. J'ai aussi un cerveau, tu sais. Hein? En tout cas, assez pour être avec moi. Voyons un peu ses muscles. T'as déjà fait ça à l'extérieur? À l'extérieur de quoi? Ma caisse. J'aime bien ta caisse. Spacieuse. C'est pas assez spacieux ici? Ah, faut juste que je m'avance là. Ah non, y'a un bail là. Ah, vraiment, ça fait de la place. Tu sais quoi? Peut-être qu'on peut trouver un meilleur coin. Quand tu dis coin, tu veux parler du coin G? Il y a plein d'autres endroits ici. Oh, non, mais. Oh, j'ai déjà c'est moi ce de beau. Allez, il va mourir. Comme un gentleman. Ah, tu ne suis pas un robot. Non. Si. Ta gueule. Je te jure. Ah, tu vas m'entendre un robot, pote. Ah, bah, parce qu'il faut que je redémarre le. Ah non, attends, je peux faire un truc, ça va durer. Ok, ça va, ok. Pause publicité, les gars. Allez chercher à manger, à boire. Pipi, tout ça. Attends. Wouah, flashbang. Je suis flashbang de ouf. Tu m'entends robot encore? Oui, de fou. Ok. Et là? Et là? Toujours? Ah ouais? Ouais. Attends. Et là? C'est bon, c'est carré. Ah ouais, on fait des Google. Non, mon fond d'écran, il est trop hard. T'es mal, le fond d'écran, t'es fou, frère. Ah non, mais moi j'ai hâte, tu vois la suite. Hein. Mais la suite. Bah, c'est pas Dragon Ball Z. Non. C'est quoi Dragon Ball Super? Ouais. C'est bien Dragon Ball Super en ça? C'est le moment où ça se tape le plus, hein, en soi. Parce que du coup, je sais la vérité. Ouais. À part le moment. Là, de Gohan, là, comme j'étais comme un dingue, là. Ok, tu regardais pas, mais je sais, tu regardais pas. Non, si, voilà, je regardais. C'est pas ce que je t'ai dit. Regardais. Mais. Ça m'a dit les combats, dingueries. Ouais, je suis pas tant que ça, je crois. Bah non, parce qu'au début, c'est toujours la même chose. Mais voilà, en fait, je vais péter un plomb, frère. C'est bon? Ah ouais, je roule ma clope tranquille au bilou. Ok, ok, c'est bon. Tu vois l'écran là? Ouais. Okay. Ouais, des combats, c'est des trucs de fou. Mais là. Ah, c'est pas. Donc, moi, j'aime pas l'animation là. Y'a quoi de si important dans ça? Bah, à part quand Gohan avance en faisant un caméra. Oui, voilà. Celle en dentelle. Hein? Mais. Elle dit quoi là? J'ai pas entendu, je crois. Bon, on en a pas besoin. Tu veux pas que je les essaie devant toi? De toute façon, je vais les arracher. Peut-être que moi, je veux les porter. Ça me rend d'humeur coquine. Allons les chercher. Qu'est-ce qui se passe? Qui coquine? Les deux, ils sont bien à l'aise on se balader comme ça dans les bois. Non, mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment lui, il a autant envie de la baiser. Alors qu'il lui a même pas parlé du câlin qu'elle a fait à son ex. Ah parce que, dans le... Qu'on appelle ça? T'as vu, elle lui a dit ouais, t'as dragué la vendeuse et tout, tu vois. Je pense qu'entre les deux, c'est du 50-50, genre. Faut choisir. Ouais. Mais voilà, je vais à la lumière. Il m'a dit l'obscurité, c'était pas bon. Et... Il m'a dit ça ou il m'a dit ça tout à l'heure? Nous y sommes, madame. Ouais. Merci. Ben, très impressionnant. C'était quoi? Je sais pas, sûrement une bête. C'est quoi que j'aime bien avec le personnage là? C'est que, bah, c'est ce personnage intelligent du jeu en fait, au final. Pourquoi? Bah,
Parce que c'est la seule, tu sais, ils ont mis les qualités là au début. Ouais. Et ils ont mis intelligent. Tu ressens quand tu vas jouer avec elle sur les scènes comme ça, tu verras qu'elle va faire que des trucs par rapport à intelligence quoi. Mais moi je joue avec Matt. Elle va pas faire la conne. Je joue avec Matt, moi je joue pas avec elle. Oui, mais non, mais quand ce sera des moments où tu joueras elle, genre. C'est un avertissement ? Il était pas là avant. C'est un mot ? Welcome back, a écrit, c'est mon roi, frère. Allez. Pénitencier, province. Ça doit être Chris. Ou Josh. Ils essayent toujours de nous faire peur. C'est pas très cool, les gars. J'aime pas ça du tout. Moi non plus. Oh ! Matt ! Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que je vais devoir être vif. Putain, qui a bien pu faire ça ? Tu sais, j'en ai plus grand-chose à foutre de mes culottes, là, tout de suite. J'ai plutôt envie qu'on se casse. Viens en bas. Ok. Ah, oh, c'est... J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur du noir. Vous aussi, ça vous effraie? Non. T'as remarqué ou donc, quoi? Que pensez-vous non. des gens qui ont peur dans le bureau. De ces choses? Oui, il y a un truc. Il y a une peau de une araignée, fils de pute, j'avais pas vu. De pute. Je vois. C'est quoi la grosse araignée de fou là? Parce que t'as dit que t'aimais pas, ben ils sont là quoi. Avez-vous de la peine pour elle? Ouais, j'ai de la peine. Mais votre façon de jouer semble indiquer tout le contraire, je me trompe? Pourquoi? J'ai pas compris là. Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux? La loyauté ou la franchise? Loyauté tous les jours. C'est super dur quand même. Oui, c'est dur. Pour moi, quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui est franc. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça, moi. C'est trop, trop dur. Alors que quelqu'un de franc, il peut niquer la loyauté. Il peut ne pas être loyal. Ouais. Loyauté, de fou. Plus genre. Donc, vous seriez prêt à mentir par loyauté envers un ami, bien. Non. Et si je vous dis loyauté ou charité? Loyauté. Ah oui. Vous préférez vous occuper de vos amis plutôt que des plus démunis? Lui, il veut trop détourner notre façon de penser. Ouais. Encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons bientôt. Tu regardes tout seul? Ouais. Ah, mais elle, son sommeil, je comprends pas. C'est aujourd'hui le premier anniversaire de la mystérieuse disparition. Ah oui, en plus, on arrive sur le récap, c'est parfait. Et Bess Washington. Bah voilà. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient Mirage. Touchées si elles nous ça voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. Ouais, wow, ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Boum. L'effet papillon. Pardon. T'as dit quelque chose? Grosse pute des mises, voilà, j'ai oublié. T'étais trop occupé à faire ta connasse. Arrêtez! Mike, pourquoi est-ce que tu irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais, d'accord. Non, je vous jure, j'ai pas joué sans vous. T'as entendu? Bordel, qu'est-ce que tu portes? Ah non, bah, non. Bah la ouais, preuve en fait. Vers ben le oui. Des esprits. Oh, mais méfiez-vous de Josh, c'est un vrai fou. Si c'est ça que tu veux. Jess? Jess! Alors, ça dit ici, pour communiquer avec le monde des esprits. Oh putain, oh, il me pète les couilles, frère. Préjugés de toutes inhibitions et vous offrir entièrement la volonté des autres sublimement. Je fais une absence détente, c'est bon là. Moi j'ai éteint la lumière et tout. Ça dit pas ça, non?
et toute personne présente. Le seul truc qu'il faut jamais faire, tape de Ouija. Mais Starfall là, jamais de ma vie je fais un truc comme ça, moi. Jamais, il y a. C'est moi, j'appelle les esprits et tout, vous êtes des fous quoi, tu peux pas jouer avec ça. Bon, allez, essayez. Oui, je te remercie. Ok, alors. C'est un slasher, je crois, le tueur là. Ashley, vu que tu es fraîchement converti, pourquoi ne pas être notre médium aujourd'hui? Attends, je me rappelle plus d'elle, je crois elle est sérieuse elle, cette meuf. Ouais, c'est en mode meuf calme, tranquille. Ouais, donc elle fait pas de blague. La classe, quoi. Ouais, non, tranquille. Ah, elle fait pas de blague. Ouais, okay. Non. C'est la meuf gentille, elle. Esprit, es-tu là? Te présenteras-tu à nous si... si tu es là? WhatsApp, tu fais. Mais parle pas d'argent, je m'en bats les couilles, je le prépare. Attends une minute, c'est toi qui fais ça? Non, j'ai rien fait du tout. Ça bouge encore. Ah. Qu'est-ce que ça épelle? Attends. Mais comment c'est possible? C'est toi qui le bouge? Je te jure que c'est en train de bouger. Putain de merde. À l'aide? Comment on est censé aider? J'en sais rien, ça veut dire quoi? Il faut qu'on sache qui c'est si on doit l'aider. Elle est bien sûr. Comment pouvons-nous t'aider? Ça bouge encore. Qu'est-ce que ça épelle? C'est trop un goal, mon Chris. Attends. Ça bouge vite. Attends. Merde. Oh, c'est pas vrai. Attention. Je pense que nous devons vraiment trouver qui essaie de communiquer avec nous. On peut pas t'aider si tu nous dis pas qui t'es. Peux-tu nous dire qui tu es? Oh, ça y est. Ok. Ça va être une des deux Russes. S-O-E-U-R. Sœur. Sœur? Les deux sœurs. La sœur de qui? Arrête, t'es sérieux? La ferme. Demande-lui la sœur de qui. Josh, ça doit être... Ouais, ok, bon. De quelle sœur il s'agit alors? Ashley, demande-lui qui elle est. À qui parlons-nous? Anna? C'est toi? Oui. Oh bon sang! C'est n'importe quoi. Josh? Tu... Ça va. T'es sûr? Parce qu'on peut arrêter, hein? Non. Hey, ça va. Je veux entendre ce que ça veut nous dire. Je sais pas par où commencer. Manny, tu réponds, tu parles pas trop là, c'est une super. Il s'agit vraiment d'Anna. Bah non, mais je m'en veux pas. Bonne réponse. Savoir ce qui s'est passé cette nuit. Non, c'est bon, c'est. Josh. Je peux gérer. Ok. Putain, je suis pressé de pouvoir commander, voilà, parce que là, je peux pas. Laisse commander un gros taco Samir la pute. Ah, j'aurais pu la finir, j'en ai marre. Anna, tu nous manques. Et on veut savoir ce qui t'est arrivé. Tu peux nous dire. Ce qui s'est passé. Merci. T. R. A. H. Oh. J'aime pas ça. Trahi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça continue. En fait, ça va pas sur les bonnes lettres, les gars, parce que c'est en français, c'est normal. Faut qu'on en sache plus. Je suis désolée, tellement désolée. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Demande-leur ce qui s'est passé, c'est l'unique façon de savoir. Vas-y, H. Ok. Comment es-tu morte? Anna, qu'est-ce qui s'est passé? B. I. B. Bibliothèque, il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque. Starfall Library, oui, non, vraiment, oui. Ah, mais c'est genre le truc, je comprends pas. Il y a une. Dans la bibliothèque. Oh merde! Chris! Tu sais quoi? Non, c'est des conneries. C'est pas vrai. Josh, je sais pas ce qui se passe. Écoute, je sais pas si. Je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas cool. Josh, non, c'est toi qui voulais utiliser le plateau de spiritisme. Hé, du calme. Ah, j'ai vraiment pas besoin de ça maintenant. Putain, vous êtes trop lourd. Non, mais te sépare pas des autres, espèce de gros Google. On devrait peut-être le rattraper. Oui. Il va se reprendre, il faut...
Laisse-lui juste un peu de temps. Non, je lui en veux pas. C'était dingue. La flèche filait à toute allure sur la table. Je veux dire, si t'as fait semblant, tu t'y es drôlement bien pris. J'ai pas fait semblant, pas du tout. On devrait faire comme il dit. On devrait aller dans la bibliothèque. Ça a été craqué avec Ali. Jess ? Oh putain, mais ils sont dehors aussi, Google, ça, j'allais dire. Jess ! Ah oui, c'est vrai qu'elle a le cul en plus. Oh putain, merde ! Mais Akali, comme d'hab, hein, je parle pas. Bon, Jess. Moi, je parle pas. Je suis déjà fêté aux 15 minutes. J'ai pas oublié. T'as pris 15 minutes par qui ? Par Akali ? Ah bon ? Ouais, pendant la période Rust. J'ai pas oublié, ouais. Parce qu'avec Laurent, il était venu tenter dans le chat. Ouais, ça va. Je crois que je vais demander, non ? Oh, je sais pas. J'ai plus, mais. Il y a un truc. Là. Wow ! J'ai pas eu peur. C'était prévisible. Merci, Ya yeah, pour les 5 subs, merci. C'est pas foutu, les jetons, ce truc. Qu'est-ce que c'est là, en plus ? Non, mais je pouvais aller vers le haut, je crois, non ? Non. Oh non, non, faut que tu partes là-bas. Où t'es passé ? C'est vraiment pas drôle. Merci encore, Ya yeah, pour les 5 subs encore, mon frère. Merci beaucoup. Allez, je promets de ne pas t'assassiner une... Oh, bordel ! Non ! C'était trop drôle ! Mais non ! Attends, faut que tu vois ça ! Je veux rien voir de... Non, Mike ! Non, non ! Quoi ? T'as filmé ça ? Oh, regarde ta tronche ! J'avais peur, Jess. Tu peux pas sauter comme ça sur moi. On est au beau milieu des bois. C'est super flippant. Oh, pardon, ouais. Je te fais peur. Si t'envoies ça à quelqu'un... Je... Tu quoi ? Je vais te tuer. Je savais pas que ton hurlement de terreur était aussi féminin, Michael. On ne connaît vraiment les gens qu'une fois qu'on leur a bien foutu la frousse. C'est vraiment une connasse, non ? Bon, ok. T'as gagné. Tu ça, sais, c'est pas frère. Un concours. Mais bon, j'ai gagné comme d'hab. T'as raison, chérie. Oh, oh. Vas-y, pleure, Roméo. Ça mène à rien. C'est la D là. Viens, on cavale un peu, viens, on cavale. Vas-y, wesh. T'as eu peur ? C'est quoi ça là ? J'ai le son à fond. C'est les bruits de mon Twitch. Là, tu les entends en plus, ça mâche, et voilà. Putain. Je crois que c'est chapitre 3, 4, parce que ça commence à partir en couille et après ça s'arrête plus. Attends, mais. Parce que c'est rare après, vraiment, t'as ça, genre. Bah, en fait, le problème du jeu, c'est que toi, là, il y a ce truc en 3 chapitres. Qu'est-ce que c'est ? Et. C'était quelqu'un. Et après, t'as tout qui s'enchaîne, et ça va trop vite. Parce que là, c'est direct dans le délire, ça y est, ça part partout. Hein. Je sais pas. Non, on est chapitre 3, Kali. C'est flippant. Mets-toi à la moitié là. T'as entendu ? Eh ? Non ? Oui ! Y'a quelqu'un ? C'était pute. Ce truc a failli nous tuer. Il a failli nous tuer. Connasse, va. Eh, tu la détestes, hein. Merde. Eh, attends. Oui, ça, c'est important. J'allais dire, ça, c'est important. Parce que là, t'as les traits de caractère à chaque perso que tu joues et les affinités des gens. Ah, donc, je suis pas autant honnête que je devrais l'être, je suis pas autant charitable que je devrais l'être et je suis pas autant curieux que je devrais l'être. Bah, ça, la barre, en fait, tu vois, la petite barre blanche. C'est pour indiquer le, entre guillemets, le truc attendu, quoi, du personnage. Et voilà. Donc, oui, c'est ce que je te dis. Oui, là, charitable, ouais, tu l'es vraiment. Okay, donc, faut que je sois plus gentil avec Matt. Ouais. Mais Matt, c'est... Ouais, mais non, mais je suis un fils de pute, j'ai... J'allais spoil ça. Tellement tranquillement. J'allais spoil. Faut que je sois plus normal. Honnête, plus charitable et plus curieux. Ok. Après, là, c'est les affinités que t'as de base, tu vois. À la fin, ça va bien changer, genre. Plus honnête, plus curieux et plus charitable, ok.
Imaginez, bah, il peut. Hein. C'est pas en fait, c'est pas dur de faire zéro mort, mais en général, il y a des moments où les choix c'est pas très. Quoi? Enfin, ça dépend quoi. Je l'adore. Ouais. Je suis curieux. Hein. Oui. Hein. Honnête. Ok. T'es un bon gars, merci mon frère. Hé, hey, regarde ce masque. Pourquoi? Il est bizarre, non? Il me fait peur. Tu l'aimes bien. Tu veux l'embrasser? Oh, Mike, arrête! Non, mais c'est dingue comment dans ce jeu, les couples. On les arrête plus. Non, on les arrête plus. Hein. Enfin, ils vont bien se faire arrêter, mais d'un moment, c'est quand même. Non, mais j'ai pas tout visité. Belek, il y avait autre chose, non? Je crois qu'il y a rien. Mais tu peux quand même regarder. Ah, non. Ouais. Comment ça, il y a? Moi j'ai speed moi, j'appuie sur elle là moi. Putain merde la pute. Ah merde la pute. J'allais faire tomber la canette là. Zabi. En plus je peux pas baisser le son. Il y a le son à fond. Oui oui. Quoi c'est Creep Google là? Pas sûr de vouloir ça. Bah je suis pas trop de Creep Google hein, t'es en train d'entendre là. Ah là les Creep Google. Mais il est mort par quoi? Il s'est fait arracher par quoi? Un ours? Merde. Bah tu vas voir là. C'est horrible. Merde. Je crois qu'il va pas s'en tirer. Je sais pas. Oh mon dieu. Fallait pas. Dès le début du jeu, ils ont dit ouais. Ne pas s'en prendre aux animaux. C'est vrai. Je vais faire ça vite et bien. Là, je pense qu'il y aura l'effet papillon là. Ah oh, non. Ok. Oh, pour son. Mais c'est pour son bien. Regardez ça. Ok. Oh, mais non. Ok. T'allais pas. T'allais pas. Non. C'est la merde. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bordel, non, c'est venu. Ah. 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 Putain, c'était quoi ce truc? J'en sais rien. Il y a un pont là-bas. T'as pas là. Ça doit être un ours. Regarde. Reste sur le chemin, on y est presque. À droite. Ah, ça va vite là. Mais qu'est-ce que ça fait elle? Aidez. Vas-y, lève-toi, grosse pute, va! On voit limite s'arrêter du cul, elle, là. Qu'est-ce qu'il coupe, quoi. C'était un ours. Ouais, sans doute. Ces choses vont vraiment vite. Ouais, je l'ai pas bien vu. Mais tout va bien se passer maintenant, je te promets. Comment tu peux en être sûr? Parce que je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes. J'en ai vu qui ouvraient des voitures. Quoi? Où ça? Sur Internet. Vraiment? Ok, bon, on n'est pas sur Internet, Jess, d'accord? C'est la vraie vie. Et je te promets qu'aucun ours ou quoi que ce soit d'autre ne viendra ouvrir cette porte. Ouais, t'as sûrement raison. En plus, c'est des portes en camelot, okay. Frère. Tu mets maintenant, une semelle, c'est tout, là. Ouais, oui, tu mets un coup de yep, c'est fini, y'a plus de semelle, frère. Miskin, Nathan. C'était une phrase d'approche, finalement. C'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis, Mike. Ouais, c'est un peu en plein courant d'air, hein. Eh bien, il y a une cheminée. Ouais. On n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer. Attends,
C'est quoi ça? Ouais, ça c'est les ça c'est avec les... Oh là là, en gros c'est les... tu sais quand des fois tu ramasses c'est les effets papillons quoi. Ah donc là j'aurais pu canner là. Non, là ça a impacté juste ce qui va se passer plus tard dans le jeu. Mais non, mais c'est pour galerie je pense. Oh, j'ai... Ah, bah ça bouge en direct. Attends, j'ai gagné en jazz de fou. J'ai gagné en honnêteté, j'ai gagné en charitable, j'ai perdu en romantique. Bon. Là, Jess, elle appartient là. Jess, là elle est baiser, rouge. Là, ça va y aller là. Personne n'est mort, Brubri. Oh. Si tu veux venir, Brimas, tu me dis. Hein. Bah, tu nous le moment, hein. Moment du chalet là, Brimas. Ah, mais ça, c'est normal ça de l'avoir. Ouais, tu sais, des fois, il faut les regarder des fois quand tu te rappelles. Tu peux inviter Brubri ou pas? Oh, ouais, t'inquiète, je fais un petit truc. Ah, mais attends, je vais devoir refaire un truc. Bah, non, si je l'invite ici. Devant un bon feu. Acheter des amis au groupe privé. Oui, mince. Ça deviendra bien assez chaud. Lorsqu'on sera l'un contre l'autre. Mike. Ouais. Le feu et la lueur des flammes. Ah, ouais, ça fait tout à faire. Ah, ça va. Ouais, les gars. Ouais, Primas. Je vais rester pas trop longtemps, les autres. Mais à ce moment-là. Là, c'est bon, ça marche. Maman, là, tu connais, hein. Mais du coup, je l'ai fait le jeu, tu me dis. T'as dit quoi? Ouais, je crois que je peux pas. Je l'ai fait il y a longtemps. Voilà pour le problème. Je reviens plus. Tu t'en rappelles plus? Non, du tout, du tout. Bien. Le bois est prêt. Manque plus qu'une allumette. Ah merde, on peut aller chercher une allumette, du coup. Ouais. Pas des allumettes, ça. Un meilleur indien. Mais je l'avais jamais fait en stream déjà, c'est pas possible, les gars. Je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir. Mais c'était Only PS4 ce jeu. Parce que c'est Only console ce jeu. Ouais, bah ça me réconforte pas vraiment. Je pense qu'ils confondent avec. Ouais, les Dark Picture, Little Hope et tout. Ouais, ouais, c'est Only console. Oh, la tête d'homme, je le prends celui-là. T'as il y en a un, il me dit, je le prends pas, je le prends. C'est un feu, j'espère. Non. Eh, Brimas. C'est plus cool. Tu vois quand il y a le cerf qui est au milieu de la forêt là, qui s'est fait goumer. Il s'est écrit aider le cerf ou tuer le cerf. Il a tué le cerf. Ah là 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 là. Bah ouais, mais je voulais pas qu'il a alors, du mal, Mskin. Et l'écureuil au début? Non, je vois tu. Non, ça l'a pas fait. Pourquoi les armes rendent les hommes contre? Quand t'es en français, moi j'ai mis en anglais direct. Ah oui, je voulais, mais c'est chiant. Pour, enfin, je voulais pas lire les sous-titres et tout. Toutes les voix, ça va en vrai. On n'aura jamais notre relation. Moi c'est bien, je trouve les allumettes de canard là. Il devait être à côté de la chambre. Elle a perdu son téléphone. Elle va te dire viens on ressort, cette pute. Bordel. Mike. Quoi? Oh merde. Quoi? Putain, il est où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Perdu. Je l'ai perdu. Okay. Jess, attends. De quoi tu parles? Mon téléphone, Sherlock. Tu le trouves pas? Merde, non. Oh, c'est pas vrai, il a dû tomber dehors. Ah, merde. Je peux pas perdre mon téléphone. Mes parents me tueraient. T'en rachèteras un? J'en suis déjà à mon 4e cette année. Ok, ok. Bon, je vais t'aider à le retrouver. C'est bien, nous il doit être dehors. De vieille pute. Ouais. Je pense qu'on devrait pas sortir maintenant, à cause de l'ours. Enfin, de cette chose. Ah, ils sont là les allumettes, ils sont sur la table, je crois. Là, vous dites. Dehors, ça y est. Là, là. Salut, salut. Qui c'est qui va s'embraser? T'as préparé cette phrase dès qu'on est entré ici, pas vrai? Te rate pas, hein. L'homme 1 feu 0. Je l'ai vu déjà rater. Très bien joué. Ils suivent l'histoire des viewers un peu ou pas? Ah ouais. Oh oh. Arrête d'être bien, quoi. Malédie. Elle a fait le bruit de la SNCF.
Ça, c'était drôle, ça. C'est vrai que c'était pas mal, ça. Oh, elle se dessert carrément, là. Ça se met bien, là. Bon. Et moi, c'était trop dingue, parce que c'était pas dessert. Eh, hey, madame, Rabbi. Mike, c'est quoi ça? J'en sais rien. Prends le fusil à Rishi. Tu ferais mieux d'aller voir, vite. Il est où le fusil? Bon, là, j'y vais. Non, non, c'est une si. Ah, ok. Non, non, tu vas à main nue. Salut, toi. Les dames, il y a de la musique, les gars. Non, j'ai pas envie. Mais t'as pas le choix. Il faut, hein. Ouais. C'est un oiseau. Dis-moi, c'est un oiseau. Mmh, oh, le téléphone. Oh, la tête de Ram. L'oiseau, il est bien carré, là. Il a bien jeté le téléphone dans la vitre, l'oiseau. Ton téléphone. Bah, c'est pas là, Google. Quoi? Mais comment c'est possible? Ah, c'est pas grave. Il est passé par la fenêtre. Bordel de merde, putain! Quoi? Ces espèces de salopards nous ont suivis jusque-là pour nous foutre la trouille et juste. Habite-toi, ma gueule! Oh. Non, 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 mais. Hé! Hey ouais, connard! Oui, vous! Je sais que vous êtes là! Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre? Ah, les meufs, vous êtes débiles comme ça! Vous t'avais dit. Vous savez quoi? C'est pas possible! Vous gâcherez pas notre plaisir parce que Michael et moi on va baiser! Et ouais! On va et ouais! Et ça va être chaud! Alors profitez-en! Parce que je sais que nous on va bien en profiter! Oh, mais c'est pas vrai! Starfall Lady Lane est vraiment Wayne! Attends, là on doit la compter comme mort ou pas? Non. Ok. Quand c'est mort, tu vois la mort du perso. Ah, ça fait grab. Tu crois vraiment que les filles ont. Grab le double strong dans sa mère. Aucune idée. Je sais pas si j'aurais préféré qu'elle le fasse ou pas. Ouais. Va falloir qu'on le découvre. Après, oui, je suis d'accord que c'est un peu mérité quand même. Mais bon. Josh avait l'air de vraiment flipper pendant la séance. Ouais, il semblait essayer de tenir le coup, mais... Tu penses qu'on aurait dû éviter de parler de ses sœurs? C'est pour ça qu'on est revenu ici. Ouais, mais pas comme ça. Pas en faisant du spiritisme. On est peut-être allé trop loin. Ah, merde! Est-ce que ça va? Je crois, oui. Regarde! Quoi? Il y avait un truc derrière le livre. C'est quoi ça? C'est un bouton? Pourquoi il y aurait un bouton? C'est une très bonne question. J'appuie dessus? C'est à ça que servent les boutons, je pense. Merde. Merde, j'appuie sur carré moi aussi, je suis un gogol. Vas-y, Black Thomas. Porte s'ouvre. Ça devient bizarre là. Et dans un film là ou quoi? Si c'est le cas, j'espère que c'est une comédie romantique. Ok, donc il y a des passages secrets dans la maison des Washington. C'est vraiment un gogol lui, il nous a aussi lui. L'endroit est super. Ah lui, je te jure. Bon. C'est. Moi je veux qu'il m'y aille, calme. Ouais, après toi. Non, 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 toi t'y vas. Super, super, merci. Tu vas pas devoir ce que je vais devoir là. Qu'est-ce que t'as trouvé? Attends, mais y'a un truc derrière ou pas? Ah oui. Je vais. Quoi? J'ai pas vu! La vache! Tu peux reprendre, tu peux reprendre, tu peux le reprendre. Je vais les prendre et les saigner comme des pourceaux et arracher leur peau blanche et douce. 16 putains d'années, 16 ans à attendre les jolies petites Anna et Beth. Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Lui il est protecteur, je crois, non? Lui il est juste en kiff sur elle.
Attends, je crois qu'il est protecteur ce mec. Après moi Tunsi, t'as vu la... Enfin, tout ça là. Affinité, tout ça. Et moi, affinité, tout ça, pas... Madame Annie, j'ai jamais regardé moi. Attends. Ouais, mais lui, il se base pour les choix, c'est bien, ouais. Ouais, mais en soi, t'as pas besoin. Regarde, moi, j'ai réussi. En fait, lui, il veut pas. Son but, c'est pas de faire survivre tout le monde. Son but, c'est de faire les décisions les plus logiques. Bah, si tu veux les décisions les plus logiques, tu sauves tout le monde. Techniquement, mais toi-même, tu sais qu'il y a des décisions, c'est qui te double. J'avais oublié, voilà. Il y a quoi ? Je dois aider mon frère pour son déménagement, Starfall, là. À 9h. Quelle heure ? Voilà, 9h et j'ai 50 minutes de route, voilà. Wouah. C'est quoi ce bourbier de fou là? Ah, je veux pas te faire flipper, mais. J'ai trop la rage, j'ai quelqu'un qui vient de midi à 18h. Enfin, fourchette midi à 18h. Ça rend des fourchettes de nuit. C'est une dinguerie, donc je dois attendre de midi jusqu'à 18h. C'est une lettre. Laisse-moi voir ça. C'est une menace. Chris, c'est du sérieux. Il faut qu'on trouve Josh. Attends, mais un déménagement, je vais dormir quand en fait? Parce que ça dure 1000 ans un déménagement. Bah, faudrait que tu dormes en fait là. Attends, faut qu'on fasse quoi? J'ai pas suivi là, voilà. Oui, Josh. Oui, Josh, ok. Oh. C'était quoi? Bon, c'est clair, hein, pas de CLM. Quoi? Mais j'ai dit, c'est clair quoi, y'a pas de célèbre. Il dirait que c'est par là. Manny, il a vu 50 fois le gameplay, frère. Tu crois que quelqu'un en avait vraiment après Anna? Ouais, mais du coup, ça va être différent du tien. Si c'est le cas, ce serait un truc de dingue. Je pourrais pas dormir maintenant, je vais pas réussir, je crois. Bah, c'est vu à l'heure à laquelle on dort ces derniers jours là, c'est mort. Ouais, mais nuit blanche, bah ouais, mais si tu fais nuit blanche, c'est-à-dire demain, tu vas dormir toute la soirée quoi. Comment je vais faire là? T'es à 9h et tu pars vers 8h de chez toi. Je viens juste de repenser à un truc que j'ai vu avec Sam. Quoi? Il y avait un... En plus ça va durer toute la journée je pense son déménagement. Western. Bah oui, c'est long frère. Et alors? Et Sam a vraiment pensé que quelqu'un était en train de la suivre. Et... Oh, et bourbier. Alors tu veux dire qu'il y aura un criminel sur la montagne avec nous? Bah, il y avait ce type dont je t'ai parlé. Attends, quel type? Et je conduis, le quel dormeur français. Le type de Washington. Il voulait prendre sa revanche en incendiant leur maison. Et j'ai trouvé cette foutue lettre de taré. De peu qu'une nuit blanche, c'est vrai, mais après, si faut dormir, quoi. C'est une façon d'essayer de me rassurer. Mais tu peux pas dormir. Tous les jours, tu couches à 11h, tu peux pas dormir. T'as entendu ça? C'était Josh! Ça vient de la cuisine. Josh! Josh! Ashley, ça va? Je vais... Moi, je crois que je vais essayer d'aller dormir, hein, mais ça, putain, je peux même plus... Là, wesh. Pour demain. Ouais, mais je sais, mais... Ash. J'ai l'air de laisser, frère. Ash. Putain, ça casse les couilles, j'avais oublié. Mais imagine, c'est Josh, en fait. Dans tous les cas, tu devras voir avec. Comment ça s'appelle? C'est comment on appelle ça? C'est loin ou pas le. Ah ouais, j'arrive même pas à voir. C'est loin ou pas le déménagement? C'est 50 minutes. 50 minutes? Non, mais de là où il déménage jusqu'à. Enfin, c'est ça. C'est là. Oh là. Ah, mais direct, t'as pris une bonne patate. En vrai, là, t'arrives au bon moment pour arrêter. Ouais, bah là, c'est la fin de chapitre, dans tous les cas, quand t'es chez lui. Putain, ça me casse les couilles. Ouais, parce que frère, faire une...